Bonjour les Scorpios, bonjour. Je vais vous donner l'horoscope pour ceux d'entre vous qui ont un ascendant ou quelques planètes ou une planète dans le signe du Scorpio. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Neptune ne va pas faire grand-chose parce qu'il va rétrograder dans votre cinquième maison, donc la maison de la créativité. Donc, beaucoup de créativité, mais c'est un peu en repos. Qui est important parce que Mars va opposer Uranus et va faire un carré avec Pluton pendant le 15e, 5e, le 14e, 5e, 16e du juillet. Donc ça veut dire parce que Saturne est vraiment déjà pendant deux années dans votre 12e maison et Mars va aussi entrer la 12e maison. Ça veut dire quoi? C'est beaucoup d'activités là-bas. La deuxième maison, c'est une maison cachée. Donc pour les scorpions, c'est business as usual. Donc pour les scorpions, on aime ça d'être un peu privé. Et la deuxième maison, c'est une maison privée. Et Mars, donc beaucoup d'activité là-bas, veut vraiment dire de réfléchir sur soi-même, sur les habitudes qu'on a. Et est-ce qu'on fait ça d'un bon sens et tout ça, ça c'est important. Et Saturne aime être dans la 12e maison, donc du discipline, des choses quand on veut échapper, on échappe dans la 12e maison. Et Saturne, on va discipliner ça. C'est pour ça qu'on dit Saturne est très bon dans la 12e maison. Et avec Mars là-bas, peut-être on a peu moins d'énergie. Mais c'est d'énergie qui va dans l'intérieur. D'accord, Mars aussi va faire un trigone avec la 8e maison. Donc c'est encore une maison d'eau. La 12e maison, la 8e maison, ce sont des maisons d'eau. Et ce sont des maisons, surtout la 8e maison, c'est une maison de scorpion. C'est une maison de transformation. Donc on va se sentir à l'aise. Et on va avoir la possibilité avoir la possibilité quand on est plus intime avec quelqu'un pour découvrir soi-même, pour ouvrir son cœur. Et ça c'est aussi très important pour les scorpions, pour avoir la possibilité de faire ça. Mercure est dans la 10e maison et va rétrograde. Aussi le soleil va dans la 10e maison pendant la 3e semaine du mois. Ça veut dire donc peut-être réfléchir en ce qui concerne le travail, réfléchir, faire des choses un peu différentes. Ça peut se passer. Pour les scorpions, une toute petite planète est dans le signe du scorpio et ça s'appelle Juno. Et c'est la planète de relations. Donc pour beaucoup de scorpions entre vous, surtout ceux qui ont des planètes qui sont dans le dernier des camps, on trouve on a des expériences avec une relation très 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 importante et aussi une très bonne relation. Et ça s'oppose avec Vesta et avec Cérès. Vesta, la planète de purité, et Cérès, la planète de la nourriture. Donc c'est vraiment très bon pour les scorpions. Pour ceux qui ont des planètes sur le dernier décan, de réaliser le commitment, donc la relation, c'est très important, mais aussi d'être pur et aussi être authentique dans votre relation. Ça, c'est vraiment important. Et voilà, je vous souhaite un bon mois, les Scorpios, et à bientôt. Au revoir.